Depuis la reprise des cours pour le compte du second trimestre, les élèves du collège Institut technique, industriel et commercial de Douala Lokbaba sont abandonnés à leur triste sort. Selon les informations collectées sur les lieux, les enseignants invisibles de cet établissement scolaire ont cessé de dispenser les cours. Ils ont tous pris la clé des champs pour des raisons des arriérés de salaire impayés depuis 4 mois. Depuis, on ne fait pas cours. Ça fait pratiquement 4 mois, on ne fait pas cours. Éthique. On s'est appelé pratiquement 3 fois à la sous-préfecture. Le sous-préfet est là, une fois le fondateur du sous-préfet, il va résoudre notre problème. Par précaution, j'ai causé au professeur comptabilité par téléphone. Il m'a dit ceci, qu'il ne peut pas venir tant qu'ils n'ont pas encore résolu son problème de salaire. Et ce problème de salaire monte à depuis septembre. Depuis septembre. Et certains professeurs ont peur de parler. Et que tu parles pour ça, qui sont fondateurs, le fondateur dit que c'est le censeur qui a mangé avec l'argent. Tu poses la question au censeur, c'est le fondateur qui a fait ceci. Tu passes la gestionnaire. C'est le père là qui a toute la décision. Les élèves des classes d'examen rencontrées déclarent avoir pourtant payé tous les frais de scolarité et d'examen. Et hormis de ça, là, un dossier. On n'a pas de bulletin. Pour ça encore, il y a encore certaines rumeurs qui courent que même nos récépissés et nos cartes, même, on risque de ne pas avoir ça. Puisqu'il y a beaucoup parmi nous qui veulent aller continuer l'école ailleurs. Des apprenants qui ne savent plus à quel sens se confier. C'est à Éthique. On vient, il n'y a pas les profs. Le surveillant général de mèche avec le censeur et le censeur de mèche avec le fondateur. Il n'y a pas les cours. On se retrouve abandonnés à nous-mêmes. À chaque fois, on dit que les dossiers vont partir, les dossiers sont là. Nous sommes là, on balade partout dans l'établissement, on vadouille partout. Il n'y a pas les cours. Les profs viennent, ils demandent leur argent, on dégame sur eux et ils partent, ils nous abandonnent à nous-mêmes. On fait comment? Ils nous font une solution en classe d'examen, notre avenir est où? Nous, les élèves d'Éthique, on prend l'argent et l'argent des dossiers. Ayant essayé de rencontrer le chef de cet établissement de l'enseignement secondaire, la demande était infructueuse. Il nous a envoyé balader. Au collège Éthique de Lokbaba, c'est presque une fin d'année déclarée au deuxième trimestre par des enseignants qui revendiquent leur salaire.